Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est détente puisque nous allons partir à bord de la toute nouvelle Kia EV6 que je vous ai présentée il y a quelques jours. Le but c'est d'utiliser le véhicule en conditions réelles. Nous allons donc prendre la route et faire de la départementale, ville, campagne, autoroute et même col de montagne. Nous allons donc partir à bord de la voiture et une batterie chargée à 100%. Vous l'aurez compris, nous allons utiliser le multimédia, le chauffage. Notre point de départ est Kia Montauban et on se retrouve à l'arrivée. C'est ainsi que notre parcours s'achève au volant de cette nouvelle Kia EV6. Nous sommes arrivés sur les hauteurs d'Andorre-la-Vieille. Nous avons parcouru un peu plus de 240 km avec le véhicule, une autonomie restante d'environ 35%. Très belle performance puisque nous avons consommé environ 20 kW aux 100 km. Je vous le rappelle, nous avons fait essentiellement des parcours autoroutiers et montagne et il va être temps pour nous d'aller mettre le véhicule en charge. Et voilà, suite à notre périple avec la Kia EV6, nous sommes arrivés à la destination, comme je l'ai pu vous dire tout à l'heure dans la vidéo. Le véhicule est donc sur sa place de parking dédiée aux véhicules électriques, avec une borne de recharge. Les infrastructures se font de plus en plus fréquentes et ça devient vraiment facile de pouvoir se déplacer avec un véhicule électrique. Et voilà, nous venons de récupérer notre Kia EV6 avec une batterie chargée à 100%. Il est temps pour nous de rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez retrouver plus d'informations en venant nous rencontrer directement à la concession de Kia Montauban, située 1661 Avenue de l'Europe. Je vous remercie. Voici une dernière vidéo que je voulais vous faire, car je trouvais ça très intéressant. Il s'agit de la consommation et de l'autonomie restante. Voilà, comme vous pouvez le voir, après la dernière recharge, nous avons effectué 324 km. Je vous le rappelle, essentiellement sur parcours autoroutier et col de montagne. Nous arrivons à destination après une petite balade. 32% de batterie, 122 km d'autonomie restante. Vous pouvez le voir, une consommation de 15,8 kW au 100. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir vous démontrer qu'avec les palettes de récupération d'énergie et un tout petit peu d'éco-conduite, on peut avoir une consommation qui est très très intéressante sur cette Kia EV6. J'espère vous avoir informé un maximum sur ce véhicule-là et je vous dis à très bientôt.